Invités, bonjour. Il y a presque cette semaine, lors de l'investiture du gouvernement issu de l'accord politique du 3 avril 2024, j'avais évoqué la situation désastreuse de l'administration et de la fonction publique haïtienne et insisté sur la nécessité de renforcer ce qui peut l'être, d'en rebâtir des pans entiers et de disposer d'un instrument à même de constituer le principal levier de transformation du pays. Nous voici aujourd'hui en train de poser un jalon important dans la reprise en main de cette architecture par le lancement des travaux portant sur l'audit et la récapitalisation des ressources humaines dans la fonction haïtienne. Si nos yeux nous gardent devant là, on apprend que toute munition là, pour le moment, côté pays a grand pile urgence, côté grand pile travail, côté que grand pile pression, et son pression normale liée, on apprend que tout cabinet a pratiquement vinchita là, matin. Nous avons dit tête nous, pour qui ça? Le Nabgad Haïti en chiffres, nous voyons que c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère, nous voyons que le ratio de mortalité maternelle plus élevé, le taux d'analphabétisme le pauvre les plus élevé, la scolarisation les plus bas. Le Nabgad Haïti en chiffres, Liban ou image d'un pays qui en pile problème. Tant et si bien que il y a des mondes là, internationaux là, qui croient que c'est une fatalité haïtienne. À la vérité, m'a dit nous, sous 23 ans de carrière internationale dans presque une quarantaine de pays, tout problème ça, nous voyons déjà. Nous vivions déjà. J'ai commencé à travailler en Afrique en 2006. M'a songé que peut-être 4 sous 10 pays étaient des pays à revenus moyens élevés. J'ai quitté l'Afrique en 2020. 6 sous 10 de résoudre en pile un problème que nous-mêmes nous gagnons aujourd'hui. Mais au centre de résolution problème ça, au centre de victoire sur la pauvreté, c'est capacité pour l'État jouer rôle, pour la police là protéger nous, pour l'armée protéger frontières, pour le ministère de la Santé publique, bail la santé, pour l'éducation nationale, bail éducation. Au centre de la transformation d'Haïti, au centre du développement d'Haïti, c'est la capacité d'hommes et de femmes engagés, dévoués, disposés à donner cœur et âme pour le changement. Donc, là nous face à une crise, qu'on s'affronte, qu'on pose, il faut faire inventaire d'instruments que nous avons en main, il faut garder les troupes que nous avons. Faut garder morale troupe là. Faut garder allié nous. Faut garder à qui ça nous parle dans le combat. Eh bien, mais pour qui ça atelier ça important. Atelier ça permet de nous faire inventaire de ça qui l'en même. Monde qui peut aider nous, femme à garçon pour aider nous résoudre problème nous. Qui boyoyé? Est-ce que nous gagnons assez? Est-ce que nous traitons bien? Est-ce que vous comprenez la bataille là? Est-ce que vous engagez pour lui? Est-ce que vous avez une expérience pour lui? Est-ce que vous avez une compétence pour lui? Que ce soit policier, que ce soit docteur, que ce soit professeur. Mais importance, réunion jeudi. Là, nous-mêmes, le gouvernement, nous commençons à faire inventer l'État. Bien que historiquement, nous avons été en pile pour une initiative qui rentrait dans le cadre de réforme des institutions de l'État. Nous rendons compte de deux bagailles qui sont un peu contradictoires. D'un côté, nous joignons des cadres de l'administration publique, cap mettez-le, qui gagne pile expérience, qui dévoué à mort, et Dieu seul sait, c'est pas petit qu'on bien touché. Cap bord de travail que moi-même personnellement qui est comparable à n'importe qui autre pays en monde que j'ai visité. Déjà dans primature, après cadre là qui a depuis 15 ans, on va changer pour le plus grand expert au monde. Mais parallèlement à ça, nous avons un bon bâtiment qui voyage et qui a touché toujours. Nous avons un bon bâtiment qui a touché, qui a travaillé, mais qui a reçu une fraction de salaire, mon qui est au même qui vient travailler une heure par mois. Nous avons un bon bâtiment qui
Il y a un gros bureau qui va rentrer là-dedans. Alors que il y a un bon bâtiment qui ferme à 10 lantisales et a essayé de produire pour le pays. L'homme garde les données que l'équipe de Bamjodia a confirmé ça me soupçonné déjà. 70% de la fonction publique là, c'est garçon. Et plus vous montez l'administration publique là, plus vous arrivez là, échelon de décision à l'administration publique là, on rend compte que chiffre ça a passé facilement 80-85%. Donc, pas rien avec la réalité pays qui gagne 50 points plus femmes là-dedans. L'homme garde les chiffres, je vois que presque 85% de l'administration publique là, c'est le monde qui gagne 35 ans et plus. Ça veut dire jeunes garçons, jeunes femmes qui fait diplômé, qui jambe et qui paraît pour lutter, qui gagne pile à offrir en termes d'innovation, qui comprennent technologie à plus bien passer, qui disposent par talent, ils excluent complètement des 107, 106 ou 103 000 personnes qui gagnent l'administration publique là. L'homme garde les chiffres, je me rends compte que le salaire moyen au monde de la fonction publique là, c'est 37 000 gouttes. 37 000 gouttes. Et dans 37 000 gouttes, il y a un peu de monde qui a une compensation, ou il y a un peu de monde qui n'a pas gagné. Moi, j'ai demandé au ministère de l'Intérieur l'autre jour, avant de m'avancer sur le ministère, essayer de faire mon petit diagnostic de comment les gens qui l'ont pris au service. Comment vous êtes? Comment vous sentez? Comment vous êtes travaillé là? Est-ce que vous êtes sous bataille? Et je vais regarder quelques aspects seulement pour moi. Je calibre nous un peu. Des employés, donc nous formons une commission trois mounes, et puis je me dis, fais-moi comprendre comment la situation, le ministère de l'Intérieur, que moi-même responsable, je dis, depuis cette semaine, y est. Et je vais vous dire, ça y est, vous voyez, moi. Les employés de même rang ont des traitements différents. L'affectation des employés n'est pas identifiée. En 7 mois, je joins au monde qui a ban moins, qui terme de référence. Li. Le n'a pas écouté rarement le monde demander moins, avant nous chercher profil là, bon terme de référence. Là, en 2024, nous avons compté sous douette, moi, nombre de monde que j'ai rencontré, qui a dit pas que terme de référence. Li. On peut compter sur une main nombre de monde qui a dit me recruter par un processus compétitif sur 103 000 monde moins gagné. On peut compter sur les doigts d'une main nombre de monde qui a dit chaque fois un gouvernement changé, il y a pas peur pour aller faire du travail. Comment voulez-vous me motiver la condition ça? On peut compter sur les doigts de la main nombre de monde qui a dit que vraiment ouais administration publique comme est ton carrière, côté au cas entré comme portier, au fini comme directeur général, comme ministre, comme premier ministre. Comment on voulait nous motiver dans la condition ça? On a compté sur les doigts de la main, nombre d'employés qui a dit moins que presque su que ça allait arriver à temps. Comment nous voulons by sécurité, by santé, faire éducation, by service, occuper agriculture, encadrer planteurs dans ces conditions-là? Il n'est pas possible. Et ce n'est pas lié au revenu du pays. J'aime ça dire, Haïti, ce n'est pas le premier pays à revenu faible dans lequel je travaille. Même quand je dis, je dis que c'est le premier pays, moi, côté administration publique, là, fondement même succès du votement, traité en parent pauvre, Jean-Mouel. Et ce sont des problèmes qui ont des solutions. Ce sont des problèmes qui ont des solutions. Nous ne sommes pas obligés d'accepter ça. Et si nous voulons vraiment adresser la quantité de problèmes nous avons dehors, nous sommes obligés d'assurer que nous avons une fonction publique qui a fait le travail. Et ça veut dire que nous avons un staff dans la fonction publique là, qui est capable de faire le travail. Comme ça arrive très souvent, les collègues qui travaillent avec moi sont toujours un peu déçus parce que vous préparez un très très bel texte pour moi en français. Et bien, ouais, mettez-le de côté. Mettez-le de côté parce que je crois que dans la situation ça arrive aujourd'hui, nous ne venons pas là pour nous donner un paquet de parler français. Nous venons là pour nous d'accord sur ce problème. Et puis vous nous dites, mais ça ne va pas le faire sous lui. Je regarde les chiffres, je regarde aujourd'hui, nous avons, selon ça, m'a regardé, 8 à 10 000 personnes dans la fonction publique là, qui parlent encore. Dans le chiffre, ça a été un bon moyen. Et que jusqu'à présent, on a essayé de certifier,
bon paquet de gens, bien que vous parlez encore, vous avez touché. Vous n'avez pas même dit exactement combien de contractuels qui gagnent. Vous n'avez pas dit combien de contractuels qui gagnent qui ici. Vous n'avez pas dit combien de contractuels qui gagnent qui ici, qui pas ici, pas ici, mais qui a touché. Donc, nous avons un premier diagnostic que nous avons besoin de qui ça vient comme ressource. Le mieux, ça qu'on y a, ça permet de faire deux bagailles et que je vais annoncer aujourd'hui. C'est pour nous commencer un recrutement intensif de jeunes garçons à jeunes filles pour nous combler l'administration publique. L'autre jour, il y a peut-être trois semaines, je passais ma visite au FNAC. Au FNAC, nous connaissons son agence assez spécialisée. Pas qu'à vraiment pour nous dans la roue, mettez-le dans le FNAC. Et puis, le responsable au FNAC a dit comme ça qu'il a perdu 25% d'employés. Nous n'avons pas besoin de monde. Nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de temps pour nous former mon yo. Et nous avons besoin de temps pour nous capables de prendre mon yo pour commencer le jour. Le mal est la santé publique, c'est même gens. Le ministre de la Santé publique a expliqué que dans plusieurs côtés, il n'y a même docteur, il n'y a infirmier pour faire le travail. Donc, nous avons besoin de nous pour le faire après le diagnostic, après l'évaluation. C'est nous pour lancer un processus de recrutement, mais un autre processus de recrutement. Un recrutement côté tout terme de référence, avec toute portion, qui a affiché publiquement son site que tout le monde a regardé. Côté que un monde qui est intéressé à appliquer, ou qui a voué ses vœux, et ou sûr que ses vœux a bon traitement équitable et juste sous base compétence. Et sous base de travail, là, l'organe CV monde qui joue un travail, là, ou à comprendre pour qui ça joue un sous. 8 à 10 000 jeunes garçons à jeunes femmes qui disposent d'entrer l'administration publique pour y faire carrière, pour y pas pour y venir riche, pour y servir. 8 à 10 000 jeunes garçons à jeunes filles qui disposent, qui ont vision de notre Haïti et qui paraissent pour contribuer à lui. C'est ça le défi à je dis. Et c'est ça que fait nous demander toute mission pour y venir chita là. Parce que vrai succès transition, elle commence là, elle va commencer de l'autre côté. Il commence par assurer nous que chaque grande femme, chaque grande garçon, nous vient l'administration publique là pour le bail 100%. Il commence par ça, une prédécesseur mieux de restaurer l'autorité de l'État. Qui veut dire qu'effectivement, bon, l'État qui vient femme à garçon la donne, qui l'aide à faire un bagage, il fait. Défi n'est pas facile. Et ce n'est pas la première fois qu'on attend au monde qui est là, engagé, une nouvelle série de réformes. C'est ça qui fait essentielle opération ça. Il y a trois mondes que je m'en débat en pile temps et en pile attention à lui. C'est nouveau responsable de RH là, que nous nommons hier. M. Fizeme qui connaît la boîte là, qui connaît le problème, qui connaît exactement côté pour aller et qui vient de me rapport régulièrement sur ça pour faire. C'est chef de cabinet Nesmi Maniga, que d'ailleurs m'a remercié, qui se fait les 4-5 dernières années à préparer jeunesse là, justement pour qu'à Jérôme, que spécifiquement demandé aujourd'hui, puisque le sont préparé à aujourd'hui, bayo route pour entrer dans l'administration publique là de manière transparente et assurer que vous êtes capable d'avoir accès à toutes les opportunités que la fonction publique là, bayo, comptez sur vous pour ça. Et ministre finance qui là, que particulièrement qui accepte de venir entrer dans le défi ça pour l'aider nous comprendre comment nous ajuster les finances publiques là pour capable accompagner la population de manière beaucoup plus efficace. Ministre Kellen Chester, trois mondes ça yo, c'est trois mondes que nous comptons sur yo pour yo coordonner by vision, continuer à encadrer le processus là pour nous aboutir. Et à trois mondes en particulier, m'a demandé bon mon update régulièrement de comment on a avancé. Je voulais que mon tableau de bord, bon, combien de monde nous recrutons chaque mois. Je voulais que mon parité, et même pas parité, parce que nous tellement en retard à faire parité garçon-femme, nous avons un bon poids positif pour essayer de ramener autant de jeunes femmes et autant de jeunes que nous capables de l'administration publique. Son engagement me dépend dès le début et son engagement que nous avons un qu'un Je ne trop long, mais je vais vous dire. Transition, c'est toujours, dans une certaine mesure, c'est dommage pour le pays. Particulièrement dans Haïti, le nombre de transitions nous gagnons, c'est à se demander qui la transition a fini. Mais l'histoire d'Haïti montre nous tout que transition, très souvent, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous faire des bagages qui, des fois, dans la période normale, là, nous ne pouvons pas faire. Parce que nous avons des pressions d'intérêt qui limitent nous.
dépression d'intérêt que gagne dans tout pays par ailleurs, même pas dit Haïti seulement. Dépression de groupe d'intérêt qui ont une certaine autorité d'imposer des recrutements, d'imposer des profils, d'imposer des postes. Nous avons 17 mois côté pas bien pression. Côté n'a pas fait bail normalement. Côté nous avons un bon exemple de comment recrutement fait. De comment ressources humaines fonctionnent. Autonomie, moun qui est responsable des ressources humaines. Espace pour prendre des décisions qui ont intérêt institution et qui ont intérêt staff. Moins garant du fait que sur les 17 prochains mois, pas bien pression ça. Donc, je demande encore une fois, et ministre Maniga, ministre Ketlen et certainement M. Fizeme, assurez-nous que prochain lot de recrutement nous a fait, une fois nous avons fait diagnostic là, les fait avec les instruments et les approches et la méthodologie la plus moderne qui existe. Donc c'est l'héritage ça que nous avons quitté pour mon cas privé. Les amis, merci beaucoup pour ce matin. Bon courage, bon travail et j'ai vraiment hâte d'entendre les conclusions de cet atelier. Merci beaucoup.